C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre channel Mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus. Bonjour, bonsoir la famille, bienvenue tout le monde. C'est toujours un plaisir pour nous rejoindre nous pour nous parler pays pour nous faire débat. Mais après ça qui finit passé dans la République hier 17 octobre, franchement, Haïti a un problème. J'ai une famille alliée, précisément Jimmy Cherizier Barbecue, mettez l'État en déroute, crasez l'État à plate, montrez-nous toute bonne faiblesse l'État. Et il y a trois bagailles précisément pour nous retenir dans ce qui passé hier là. Il y a trois bagailles précisément pour nous retenir dans force Genève famille alliée, dans force Jimmy Cherizier Barbecue jodi qui a valé terrain dans pays là. FBI débarqué en Haïti. Fois ça, yo pas venu ni pour Jovenel Moïse, yo pas venu ni pour bail police nationale dans Jarret, yo venu régler cause yo. Cause yo a gang causé ak bandi qui kidnappé plus passé 15 missionnaires américains. En pile information, en pile détail pour nous connaître aujourd'hui dans ce qui a passé dans pays et plus précisément dans dossier insécurité. Ou Haïti ça va être chargé. Va être chargé en pile, bien rester là non. Rester là un petit moment, on va le compte tout détail. Déjà m'invite au partager émission avec tout contact ou parce que bagay yo en pile et faut que la République connaît tout ça qui passé. Et bien jodi là, moi gen deux produits me vinn présenter nous. Bagay sérieux net, pas gen menti dans ça. Un pommade qui relé Genzouti. Son pommade 100% organique qui permet tout rallonger pénion. Ah, ça t'a dit ça. Donc monsieur, madame, nous sauver. Donc pas gen question plein et zouti monsieur a li piti li kout la bay problème non gen zouti la l'ap ede ou entre 30 à 90 jours ou après 3 à 5 cm plein fini corvé a fini d'ailleurs li pa gen effet secondaire c'est produit tout à fait naturel 100% organique et d'ailleurs tout moun ka servi avèl. Tout garçon entre 15 à 75 ans ou ka utilise Genzouti ou ap jwenn bon jan résultat d'ailleurs pommade la pale de tete déjà pommade la pale pou tête li déjà. Deuxième produit li rele Genbon son pilule qui fait à base de 13 plantes naturelles li la li même la pour revitaliser quoi la pour augmenter libido la pour augmenter érection la pour augmenter bon d'ailleurs non parler de li Genbon. Kou ni a ka pran medikaman sa, wap gen bagay nan moun pou frape. Donc, monsieur dam, pa nan fè korve, ala, parce que gen prodwi pou ou, mpote prodwi pou ou, ou ka rele nan 37-55-46-06 sou an Haiti, 37-55-46-06 sou an Haiti, ou bien tout sou nan international, ou ka rele nan 514-886-97-76 514-886-97-76 ou bien visitez website là pour plus facile www.zestofmoringa.com zestofmoringa.com on regarde là qui passe dans l'écran relé écrit mes amis al prend produit yo ou ba moins résultat yo dans boîte manite. Hier 17 octobre là, c'était occasion pour premier ministre Ariel Henry à la Prouville. Approuver que c'est autorité, c'est chef l'État. Et depuis dans la veille, gain en plus l'information qui a circulé comme quoi gain 20 millions de gouttes qui décaissé pour al bail jeune famille allié pour permettre à ce que premier ministre li té ka gain accès, té ka gain le champ libre pour la déposer au Fred Floral, li al déposer belge fleuri en papier papa de Saline. Papa nation. Mais est-ce que le premier ministre songe dans quel contexte des salines de banou et de podos pour être libre? C'est parce qu'il a choisi bataille. Choisi bataille contre la France, choisi bataille contre tout oppresseur, choisi bataille contre tout camp qui a défavorisé le peuple haïtien.
Alors ce que je dis, même groupe autorité ça yo, yo pas rend yo compte pendant que on papa souffre, je donne 20 millions de gouttes pour aller bailler bandi pour qui ça pour permettre au parti. Quand autorité l'état yo. Qui ça y a réglé, qui ça y a fait? L'op garde premier ministre Ariel Henry, tout le blanc vêtu, cortège, pile machine, Léon Charles, pour une fois mettre pied la terre en tenue militaire, casquette, botte, gros âme, non, mais, yo pral la lague. La guerre avec Yes, la guerre avec Gene Famille Allié. Et en tête, Jimmy Cherizier, barbecue. Maintenant, ça qui passe, bagay qui peut avoir nous crier, monsieur Dab. L'en ap gade, dans qui circonstance? Ariel Henry t'a fait parade d'Elma 2 dans base 6 mois yo rivé mais yo pas ka rentrer Canada yo pas ka descendre pour rouge pour al recevoir papa de Saline pour qui ça parce que yo t'ai choisi faire dit la bandi et qui sortait ka attendre pendant que yo papa souffrit pendant que gen tout problème za de la république et pour ta joindre 20 millions de gouttes pour al faire passage pour. Donc, aujourd'hui, nous arrivons dans une situation pour exactement pour nous voir Haïti fini. Haïti fini par rapport avec décision, mauvaise décision, autorité l'État a pris. Et hier, pour jeune famille, il mettait l'État en déroute. Jeune famille, pendant que des autorités eux-mêmes qui étaient censées légitimes pour faire travail, ils n'ont pas qu'à faire. On a regardé PM Ariel Henry, il courait PM Ariel Henry et monsieur obligé à abriter, yo mené PM n'a aller parce que pas capable et finalement comme d'habitude c'est nan mupana. Donc jodi a la Ariel Henry pensait lui-même il était capable faire sa Jovenel pendant 4 ans pas réussi fait. À la fête Ariel Henry t'a fait. À la fête t'a fait mais c'est pas le cas. Jimmy Cherizier barbecue pas de balle chance ça. Parce que lui-même, avec foule, avec public, avec bande armée, qui t'a sécurisé, les bien sécurisé, il a gagné destination, il a gagné objectif, il a gagné déposer fleurs pour des salines. Il a eu l'impression des salines tellement grand. Dans le temps, il a crié. Il a regardé l'histoire pays, il a regardé jodi à côté de l'église, pays. Et qui division, qui chire, puis jodi a pour c'est gang qui a fait la loi en dedans pays. Il a fait ça, il a fait mal. Et que trois bagailles pour nous retenir dans ce qui passé hier là. Premier bagaille là je dis c'est que j'ai une famille liée précisément Jimmy Cherizier barbecue, li c'est un acteur pour nous considérer dans ce qui gain pour avec politique de dans pays là. Indépendamment de position le cas, indépendamment je dis dans qui quand le camper parce que on nèg qui gen zam nan mel on nèg qui gen avèl on bande armée je dis que la police qualifié comme groupe gang pa gen sorti de là son groupe bandi yoyé. Maintenant position sou échec qui est politique là li extrêmement important voilà j'ai une famille li meté premier ministre Ariel Henry en déroute. C'est parce que quelque part, yo influence, c'est parce que quelque part, yo gagne des stratégies, yo gagne toutes armes yo nan men, yo gagne contrôle territoire yo, yo ka bon bout terrain, lè yo vle, lè yo pito. Donc jodi an soit fait politique, ou di mon pap considéré forger une famille allié gagné nan balance, c'est que pour comparer pour faire politique en Haïti. Et c'est une nan raison qui fait rumeurs ont circulé jusqu'à date et c'est sûr que l'a toujours été dans cadre rumeur parce qu'on pas jamais joindre notre officiel dans primature qui parle de oui effectivement et primature PM n'a te voyé 20 millions de gouttes d'aller on pas jamais admettre on pas jamais accepter donc il y a toujours quitté dans cadre de rumeur et c'est ça qu'il faut pas loin malgré que prétendu 20 millions de gouttes a bail au paquet l'argent était car utile communauté hein. Ouais monsieur, pas quitter premier ministre rivé pour rouge. Ça c'est un signal clair, qui dit que premier ministre Ariel Henry li pa gagné place dans tête pays là. Li pa gagné place dans tête primature là parce que même on négociation en batab li pa arrivé avec la bon port. Donc qui s'en fait là? Deuxième bagay qui gen pour avec ça passé avec drame qui passé hier dans Pronjean c'est que jodi en tout opposition politique là c'est une force pour nous considérer dans ça qui gen pour avec décision qu'a prendre dans pays nèg sa qui était constitué opposition politique là yo passé
4 ans. Yo passé 4 ans mettez la troublaille et pendant ce temps Jovenel Moïse a mis occasion pas jamais qu'arriver pont rouge. C'est toujours bout de terrain, coup 17 octobre là pour arriver, c'est manifestation qu'a organisé, Jovenel pas qu'arriver, c'est toujours floré et offrande florale qu'a fait dans Mupana. Jodi an, c'est pas en question de opposition politique qui baille Ariel Henry bout de terrain parce que Ariel Henry il était bien accompagné. Ariel Henry il était en opposition politique là avec les André Michel et allié qui était paré au même tout pour aller mettre fleurs dans pied papa Dessalines. Non, tu sais que Dessalines, il était préféré barbecue au lieu Ariel et Ariel Henry avec André Michel vient déposer fleurs pour lui. Parce que n'a pas gardé contexte. 4 ans de cela, c'est opposition politique là qui yo même yo te motivé à faire manifestation empêcher un président qui était démocratiquement élu river à le déposer fleurs pont rouge. Mais jodi an là son bande armée qui mieux organisé que autorité l'état yo au moins qui camper en face nèg za yo qui dit yo pas praler. Ouais, dilemme nan jodi an c'est que l'organe à gauche l'organe à droite nan sa qui gen pouvoir avec pouvoir l'état ou prend coup. Ou ap pran kou nan men opposition politique, ou ap pran kou nan men autorité ta sensé légalement là qui pour prendre décision dans tête institution yo tant que premier ministre et bande armée autour yo même jodi an là qui organisé yo jodi an là qui structuré tête yo yo a metté piège pour autorité l'état yo. Et troisième bagaille pour nous considérer dans ça qui passé là hier nan pont rouge, c'est que l'état failli. C'est pour moi que j'ai une institution et des failles. L'État faillit. L'État faillit. Et d'ailleurs, on parle de l'État. Il y a trois constitutifs de l'État. Il y a trois bagailles qui constituent l'État. Ou bien territoire, là, ou bien peuple, ou bien pouvoir public. Là. Dans ce qui est pour avec pouvoir public, là, zéro barré. Dans ce qui est pour avec territoire, là, je dis, c'est gang, c'est groupe armé qui a géré territoire pays a. Et dans ça qui gen pouwa avec peuple nous gon peuple qui zombifié. Donc nous gon l'état défaillant dans tout constitutif li, nous gon l'état qui pas ka bay rendement. On date historique tant 17 octobre, gade qui cinéma, gade qui film qui fait là-dedans. Gade, hier tout moun rete sous standby, tout moun rete ap gade. Internet la moun gen impression l'te chauffe, tout moun ap tann ki kote Ariel Henry ap rive. Et la m ap gade Ariel Henry avec vesti sou li, Ariel Henry désolant parce que sa te ap tann nan li wayo pren lan piège, y échoué, etc. Li pa ka rive atterri avec sa te gen comme vision. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, je dis, parce que même nèg sa yo, ou te voye 20 millions de goud ba yo, en soi-disant, eh bien, monsieur sa yo, yo même yo a réclamé justice pour Jovenel Moïse, que non impliqué dans l'assassinat. Qui sorte ka atan nou? Ou te atan nou que tout bagay te pral passe rose pour la vie est rose? Non, la vie n'est pas rose. Je dis, en fok nou admettre que l'État pas fonctionne. Nou pa gon l'État fonctionnel, nou gon l'État dysfonctionnel, en yon pap machi. Faut nous admettre que jodi an sous balance faut nous considérer jeune famille alliée. Et si vraiment nous pas en mesure pour nous freiner phénomène insécurité ça, nous pas en mesure pour nous fond désarmement dedans pays ça. Avec groupe monsieur Sao qui organise tête yo, avec groupe monsieur Sao jodi an qui gen nan tête yo, Jimmy Cherizier. Au moins nous ouais et qui ont avantage de leader devant parce que c'est lui-même qui leader groupe là. Donc si la continue comme ça, ça qui arrive ou pas jamais jeune Jimmy Cherizier qui de manière démocratique vient occuper en fonction de dans pays mais côté li dans communauté côté li on bon matin qu'attendez Yodou et Badelma indépendant hein? Badelma indépendant li constituer tête li constituer gouvernement li et puis la tête gouvernement li la ferraille. La ferraille, parce que jodi an faut nous admettre que li gen autorité passe autorité yo, et son situation qui est extrêmement dangereuse. Et comment peuple an wè ça? Comment communauté an wè ça? Comment autorité ça yo qui yo même jodi an, yo pren coup dur, yo pren frappe? Parce que certitude Ariel Henry te gen, li wè échoué. Il dit, ouais, échoué.
Donc si jodi ou pa gen garanti que même moun sa yo ap di la avec yo que ou considérer comme bandi ou mande yo laisser passer. Et puis bon, ki bagay ça? Nous c'est autorité légalement constituée et puis des séries de moun n'a prélé matin midi soir bandi, nous dit mettre en vie de recherche derrière yo et puis c'est même autorité ça qui nan chef nan tête CSPN, c'est même autorité ça qui chef et la police qui dans la justice qui préparé pour yo descendre sous tête l'argent yo té bail pour bandi qui té yo passé. Non par contre. En tout cas, G9 fait tout ça de gain pour faire. Oh oui, yo fait tout ça de gain pour faire. Yo fait exactement ça qui t'est doué fait là. Ça qui t'est doué fait là parce que faut autorité l'état yo prend des leçons. Pour peuple finalement, yo même gawe qui côté yo. Hier, gon paquet moun ki estomaqué, gon paquet moun ki vexé par rapport avec ça fait là. Lo ap gade jouet titato k'a fait en bas. Bout de terrain k'a baille. Lo ap gade un désordre préconstitué qui fait en bas ça, on dit tête tout à faut que ta gon réponse qui baille. Faut que ta gon réponse qui baille. Comiquement hier, l'homme moi Léon Chalabie en tenue militaire, li bot castil préparé. Il dit ah, Léon Chal met pied la terre, il prend le gon bagaille, il prend rien courir, ben ça yo. Tout le monde t'a entendre, mais ça pas le fait, ça. Oh oh. Léon Chal met courir là l'inspection générale. Et là m'a regardé qu'on paquet monde cap du et G9 et barbecue fait premier ministre Ariel Henry pété courir. Bagay pou n pa crier série non obligéri, mais au fait, c'est pas courir seulement yo fait au pété courir. Yo montré yo que jodi an dedans pays c'est moun sa yo k'ap diriger, c'est G9, c'est groupe armé k'ap diriger pays. Et groupe armé sa yo k'ap diriger pays, c'est pas groupe que l'état reconnaît légitimement on groupe moun nou rele bandi k'ap terroriser et population. Donc faut que nous comprennent que côté nous rive là, côté nous y est là, jodi an autorité ou permet à ce que chaque grain haïtien faut acheter un bandi, faut acheter un groupe gang on pour allier bandi, pour zanmi bandi en façon pour protéger vie, pour protéger entourage. C'est comme ça autorité ou fait puisque yo même y a bail bandi l'argent pour assurer rien yo pour yo même ka gen et feu vert pour aller faire ça yo gen comme mission. Donc et peuple qui ça nous veut le faire. Qui ça nous voyait population fait alors que c'est nous mêmes qui pour t'app par exemple c'est nous mêmes qui pour t'app fait démantèlement alors que c'est nous mêmes je dis qu'app arranger nous pour nous mettre l'argent dans groupe gang yo pour nous mettre l'argent dans mitan bandi yo pendant que nous mêmes nous pas en mesure pour nous bailler réponse à insécurité ya. Et puis qui est-ce qu'app favoriser peuple haïtien ou bien nous mêmes qui c'est autorité l'état yo. Donc là en tout cas, G9 li mette nan men PM Ariel Henry, monsieur le PM Ariel Henry saute nan mi pana l'al boité parce que tension le monter, li fait coller, li wè li même ça te attend pou te al faire al échouer. Al échouer en pile. Li échoue. Et ça pi dieu dans toute situation ça, c'est que nous gagné le monde k'ap gade nou. Niveau insécurité en dedans pays tellement haut. Niveau kidnapping en dedans pays en tellement haut pour regarder je dis pour regarder mauvais nouvelles ça cap relayer dans la presse comme quoi autorité l'état ta voye l'argent bay bandi pour permettre yo river aller pont rouge. C'est quoi l'histoire? Donc là dites nous bien n'a bataille pour nous faire pays alors que gon groupe moun la qui légalement constitué en dedans pays en yo même cap craser ça nous même nous envisager fait. Et hier le diaspora a mis pied au terre et on regarder fondation Boston John qui vini là et on prend initiative pour venir dans combat venir bataille. OK, mais faut objectif yo clair, faut objectif yo précis en façon pour pas gagner alliance qui profite fait. Ça nous clair souli. Nous clair souli parce que l'on regarde et le G9 a descend pour rouge, on regarde bienvenue fondation pour Stadion. Nous comprendre et faut que bagaille fait de manière lisible, visible pour éviter tout malentendu jodi avec public là, avec tout monde qui regarde, tout monde qui attend. Ça est important. FBI débarqué dans le pays dans un contexte côté que groupe 400 Marozo qui a ferraillé dans Kwade Bouke, kidnappé 17 ressortissants étrangers, 7 femmes, 5 garçons, 5 timons.
Parmi 17 personnes, il y a 16 citoyens américains avec un citoyen canadien et des haïtiens qui étaient accompagnés. Ils prennent dans le gantier. Maintenant, il y a des exigences que le groupe 400 Maozo prépare pour faire le gouvernement américain. Que déjà là, congressman Adam Kinzinger l'a fait gros pression sur l'administration Biden. Côté que l'imandé pour Biden dégager le fait tout ça qu'on est pour le mener missionnaire tourner dans le pays sans que li pa ba yon goût de rançon. Et d'ailleurs, nous toujours content des logiques là d'où États-Unis va négocier avec terroristes. Donc là, déjà nous avons pressenti comment l'homme sans jour pral et pral gen bagay nan men. Tout moun attendu à ça. Mais qu'on y a qui ça pral fait, qui ça ka fait. Yo mande à ce que soit la police ou bien l'armée dégager pour accompagner autorité yo pour yo permettre à ce que moun sa rejoigne libération. Et d'ailleurs libération sans rançon. Jean l'homme sans jour remet l'argent. Donc qui moyen de pression yo pral utiliser là pour l'homme sans jour la gen moun yo. N'a pas songé précédemment leur été kidnappé et religieux français yo quand c'était parole quand c'était temps et yo t'ai fait non mais la mort sans juge jusqu'à ce que après on vienne une libération yo. Est-ce que t'es gon rançon que t'es bail pas jamais gon note officielle qui jamais sorti pour yo dou gouvernement français a t'ai payé la mort sans juge etc. Donc là congressman nan dit très clairement que yo même yo pas gain l'argent yo pral bail groupe terroriste en dedans pays. Donc la mort sans juge information en privé je n'y a pas paré pour bolage qui ça paré pour est-ce que c'est balle paré pour péter avant est-ce que c'est négocié qui genre de négociation on va le faire avec l'homme sans jour seul ça nous connaît c'est que je dis là gouvernement américain il paré pour faire tout ça il connaît pour joindre 17 missionnaires pour joindre sans qu'on branche dans tête pas arraché. Donc si c'est 400 maozo pour éradiquer si c'est 400 maozo pour mettre à tête plate. Donc la fête, si son négociation tout qui pour faire côté tout mon absouti 50-50, il y a fait le tout. Donc ce qui est sûr, c'est que jodi an la toute bataille là et information ça qui vient virale à travers monde là côté que gon groupe gang dans pays qui kidnappe 17 ressortissants américains, la fait gros tollé. Li sous toile là, li sous toile de fond an, et qui ça pral fait pas bon côté autorité haïtienne. Yo qui ça premier ministre Henri pral bay jodi an la comme explication étant donné que le la parler dans la presse étrangère, pas jamais parler de cause insécurité, li pas jamais parler de gang yo jusqu'à ce que jodi an la gang vin prend pays, gang a dérouté Henri. Donc là faut qu'Henri faut qu'il prend conscience que gon grave problème dans pays. Problème insécurité. Phénomène insécurité à son poison lié. Autorité de l'État n'a pas pour ton réponse, pas pour ton solution avec lui, pas freiner. Ou regardez, je dis, nous besoin faire pays, nous voulons faire pays. Ou regardez, niveau, je dis, économie pays en baisse par rapport avec phénomène insécurité. Avion à rentrer en Haïti, avion pas quand même et gen moitié moun k'ap rentre vin visiter famille yo moun ki vin faire tourisme etc. Alors que je dis si n'a parlé de développement pour pays n'a parlé de progrès économique li basé sur tourisme la République dominicaine qui ça fait je dis yo prend même qui ça fait je dis en République dominicaine ni ka camper li ka un pays en voie de développement touristes qui viennent visiter alors que la caille nous avons plus belle plage la caille nous avons bagaille qui t'est attirer touristes 10 fois plus mais à cause que autorité pas jamais prendre responsabilité yo à cause que quitter phénomène insécurité a fin ravager pays donc tout monde peut Haïti pas grand monde qui envie entrer en Haïti et je dis alors est-ce qu'on va inviter monde venir dans pays pendant que bandi a terroriser population il a kidnapper monde. Tout côté yé jodi an la ou sous stress ou sous pression parce qu'on pas connait qui est ou pas connait sa autorité ou pas connait sa bandi ou pas connait sa police ou pas connait sa gang policier bandi a la propre avec uniforme la police sous lui toute qualité uniforme bandi a gen plaque service de l'état bandi a gen plaque officielle maintenant qui paye n'a vivre bon réponse qui pour bail avec insécurité qui est cap bail qui est cap baïdi parce que je dis nous focus n'a tann nous presque peuple haïtien presque et admettre ingérence que États-Unis que communauté internationale l'a fait en Haïti nous admettre de manière officielle parce que je dis on a demandé à ce que faut qu'il y ait une mission étrangère qui vienne
qui vient bailler sécurité, qui vient renforcer la police. Et le n'a pas gardé vrai, le n'a pas gardé histoire pays nous. Si n'a pour remonter 2004, si pas de grand ministre dans pays en 2004, jodi en même groupe gang ça yo, yo t'a fortifié, yo t'a vinn pi puissant. Ouais, jodi en rongé 9 qui constitué là, nous pas connait j'ai combien d'ab gain. Si en 2004 pas de grand ministre, mais ministre qui était là en 2004 là, c'est une situation qui t'est imposée. Je dis à qui situation, qui nouvelle situation qui pral imposer en force armée. Qui nouvelle situation qui pral imposer en mission armée rentrer dans pays. Nous pas connait. Est-ce que c'est G9 qui a venu démanteler, nous pas connait. Est-ce que c'est de manière officielle premier ministre Henri a pris coup du ça se prend là, librement de à ce que l'ONU voye en mission. Armée pour les missions qu'a venu de la police tout bon combat d'insécurité à nous pas connait mais chers ça nous connaît c'est que jodi an gon urgente nécessité pour rétablir sécurité en dedans pays nous pas parler de ni référendum nous pas parler de ni élection nous pas parler de ni liberté de circulation nous pas parler de progrès économique nous pas parler rien sans que pas de sécurité en dedans pays. C'est pas ça raison qui fait là pays voisin en République Dominicaine, yo prend tout ça nous te gagné comme ressources économiques là. Tout dernier petit grain entrepreneur nous y a regardé comment yo ka prend yo. Conditions pas réuni dans pays en vrai. Conditions pas réuni. Est-ce que jodi a gagne condition pour mon faire business? Est-ce que jodi a gagne condition pour mon circuler? Non. Ah ben dans situation ça dans cas ça tout monde refait business en Haïti yo paré pour faire faillite. Est-ce que entrepreneur en vision se fait faillite? Non, li pral en côté k'ap bon pou li, n'a perdu toute ressource, on a perdu et tout ça nous te bataille pour nous faire dans le temps et rete n'a prêté n'a pour paysa tout monde a fermé porte. Je dis en gros grève qui lancé contre sécurité, contre kidnapping, non, contre bandi k'ap terroriser moun, même bandi légal yo faut nous faire grève frontière. Et grève ça l'heure d'où gon grève, faut que peuple participe de manière et faut que nous participer en foule. Pour qui ça? Faut que nous kabay en réponse. C'est nous-mêmes qui vivons dans le pays, c'est nous-mêmes qui victimes. Et c'est pas un monde qui pouvait nous dire nos grèves la durer 2-3 jours. C'est nous-mêmes qui pour connait l'heure n'a commencé grève là et l'heure n'a fini grève là, parce que doué gon réponse qui baille. Autrefois, c'est nèg qui dans opposition qui t'bloque. Jodi an faut que nous prenons responsabilité nous pour nous dire premier ministre Ariel Henry, nous pas admettre pour nous ces cible kidnappeur, nous pas d'accord encore pour nous ces cible bandit, nous pas d'accord pour y a tuer nous, pour y a violer nous pas d'accord encore. Parce que notre stade nous arrivé là, côté pays arrivé là, pas rien vie. Après ça qui fin passé hier dans le pont Rougean, faut que nous admettre que l'état faille pas gagner encore qu'à régler en dedans pays ça, si c'est pas nous même peuple haïtien qui campé. Ah ouais, si c'est pas nous même qui décider pour nous porter une solution avec problème yo, qu'il y a ces gang net qui marcher sur nous. Il y a bandi qui marcher sur nous. Parce que ou garder autorité qui dit la bandi, donc bandi en senti le plus confortable parce que et passer autorité a. Et bandi non, ça la fait un livre vraiment confortable parce que jodi on a une autorité qui a dit la veille, qui a porté l'argent barré, etc. Donc là, il faut qu'on bataille qui fait pour nous changer tout le bagage, pour nous changer le système, nous changer les données. On fait en sorte pour nous envisager l'avenir du pays sous 5, sous 10 ans, comment la pied, comment le cahier. Diaspora a commencé à intégrer, bienvenue. Bienvenue, mais dans la ligne de respect principal. Parce que gon paquet moun ki prepare la ki pou utiliser code de la diaspora pou yo implanter ça yo gen comme vision politique, pou yo implanter ça yo gen comme stratégie, comme démarche. Mais faut que nous prudent, faut que nous veatif. Là son coup dur pour paysan, son coup dur pour histoire paysan. Et depuis bien longtemps là c'est coup dur sous coup dur n'apprend coup dur après coup dur, frappe sous frappe autorité yo apprend en G9. Donc comme G9 montre que c'est lui-même qui a le contrôle là, qui leur autorité l'état yo a prend contrôle là dans mes G9 famille allié. Moment arrivé pour nous mettre un bout dans émission mon éditorial là pour jeudi. Principe là, dit pas changer, continuer regarder vidéo, partager vidéo avec tout contact. N'a pas continuer travail là pour nous dénoncer, n'a pas continuer travail là pour nous chercher comment nous ca renforcer pouvoir l'état.
pour nous chercher solution yo, pour nous aider public là qu'on est, qui ça a gagné comme objectif, qui ça a gagné comme droit, ça a gagné comme devoir, ça a gagné comme obligation en tant que citoyen haïtien. Travail là n'est pas facile, c'est un travail qui est extrêmement difficile parce que liberté d'expression, c'est vrai, constitution garantit, mais autorité l'état yo, yo pas protégé, bandi yo pas accepté. Donc là, c'est mettre corps qui pour vivre corps. Rendez-vous les cas c'est pour demain, sur même chaîne dans la même heure, des micro présentations. C'est toujours même Yannick la même voix, rien n'est pas changé. Merci tout le monde. À très bientôt. Mes amis, attendez ça. Où c'est haïtien, où remet pays, et puis on agit. Entre désespoir, de machination politique et les non-dits, mon éditorial, on dit tout. Émission mon éditorial, c'est espace analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Sauf si lundi pour y faire vendredi, depuis le fait 2 heures, de chez Chanel par là pour qu'à bien informer avec Yannick. Mon éditorial. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre chaîne Mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus.